Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Soutank 509, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon Éditorial. Bonne ou mauvaise nouvelle pour la République, c'est une bonne nouvelle pour une partie de la République. On pourrait comprendre pour qui ça, moi mettez une partie de la République. Parce que là, il y a monsieur Damien qui a voué pied, qui boudé, qui fâché. Parce que Gary Aurélien, juge d'instruction, ça qui travaille sous enquête, cap enquête, cap travail sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, li commence travail tout bon. Acte d'instruction yo commence préparer, yo pral commence d'ici semaine lundi en la rele monsieur Damyo, poser aux questions, auditionner yo, pour le river faire lumière sur assassinat ancien président Jovenel Moïse. Et finalement, on a gagné pour nous parler de nécessité qui gagne, pour nous mettre campé en politique de l'action humanitaire en Haïti. Côté que pays a bien pour le passé et de stade humanitaire là encore pour m'en parler, pour nous garder comment nous ca aborder en politique de l'autosuffisance. Côté que, n'a pas gagné, n'a pas un pays qui a utile tête nous en cas de catastrophe, n'a pas un pays qui a fait premier pari en cas de désastre naturel, mais tout bagaille ça, y'a pas privé possible si pas gagné stabilité politique en dedans pays. Y'a pas privé possible si pas gagné bonne volonté acteur politique, si pas gagné bonne volonté autorité étatique pour décider, mettre ensemble, collaborer ensemble pour retirer pays dans ma race ni là, pour retirer pays côté lié dans la boue. Senti politique ça yo la gueule là dans la boue économique ça la traîner en façon pour nous chercher meilleures conditions de vie pour chaque haïtien. Eh bien là, avant de commencer dans l'émission pour aujourd'hui, quitte me prendre un petit temps pour me remercier nous pour support nous, pour contribution nous dans travail ici là, nous camper derrière travail là, nous pas jamais suspendre encourager travail. Un grand merci pour nous et m'a encouragé nous tout continuer à abonner à la chaîne là, inviter en famille, inviter en amis. Pendant m'a informé nous, pendant m'a cherché bon genre information, venez aider nous comprendre réalité politique de notre pays. Faut m'a chercher bon produit, bon médicament, bon traitement pour nous tout. Et pourquoi pas? Eh bien je dis là, moi j'ai deux produits, je viens présenter nous. Bagay sérieux net, pas gain maintenant ça. Une pommade qui rele Genzouti. Son pommade 100% organique qui permet tout rallonger pénion. Ha, ça t'a dit ça. Donc, monsieur, madame, nous sauver. Donc, pas de question plein et zouti monsieur a li piti, li kout la baye problème. Non. Genzouti la, la aide ou. Entre 30 à 90 jours, ou après 3 à 5 cm. Plein fini corvée fini d'ailleurs il pas gain effet secondaire c'est produit tout en fait naturel 100% organique et d'ailleurs tout le monde qui servir avec tout garçon entre 15 à 75 ans ou qu'a utiliser gain outils ou joindre bon genre résultat d'ailleurs pommade la parler de déjà pommade la parler pour tête li déjà deuxième produit li relé gain bonne son pilule qui fait à base de 13 plantes naturelles li la li même la pour revitaliser quoi la pour augmenter libido la pour augmenter érection la pour augmenter bonne on d'ailleurs non parler de li gain bonne koun ya ka prend médicament ça ou gain bagay nan mon pour frapper. Donc, monsieur, dame, pas nan fè kove, pas nan fè kove à la, parce que gen produit pour ou, mpote produit pour ou, ou karele nan 37-55-46-06 sou en Haïti, 37-55-46-06 sou en Haïti, ou bien tout sou nan international, non karele nan 514-886-97-76, 514-886-97-76, ou bien visitez website là pour plus facile, www.zestofmoringa.com, zestofmoringa.com. Regardez là qui passe dans l'écran, relez, écrit, mes amis, al prend produit, ou ba moi résultat yo nan boti mamite. Ça qui est pour avec dossier instruction assassinat président Jovenel Moïse, j'en m'étais annoncé dans le début émission, juge d'instruction Gary Aurélien, lui commence à travailler. Il nous pral saisi pour nous une semaine lundi là, il pral commencer les monsieur tel, il pral les madame tel, il pral questionner, il pral auditionner pour yo connait.
Parce que grand paquet ton paquet personnalité politique, personnalité publique dans pays hein, qui t'a gagné t'a monté au créneau. Moi ka dit loyer fort parce que l'autre prend exemple Pierre Espérance qui t'a fait pèlerinage dans toute micro la presse qui t'a expliqué pensionnaire te joindre 2 millions ca Jovenel Moïse et c'est ça ou t'a pas cherché, t'a gagné plusieurs policiers qui chappé etc. Gros ensemble d'informations que Pierre Espérance gagne, c'est seul Pierre Espérance qui t'a gagné au DCPJ lui-même qui t'a travaillé, qui t'a enquêté, yo pas mettre le rapport. Pierre Espérance l'a bien pour répondre bien entendu question juge d'instruction Gary Aurélien sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et m'espérez-le ça. Pierre Espérance pas venir dire persécution politique non, parce que n'existe depuis Aurélien au nom dossier à chaud non mais au bouche chaud pour y parler. Mais quoi Aurélien au pour y venir dire ça reconnaît au courrier doux c'est persécution politique c'est vrai y pas vivre. Donc là faut que nous commencer préparer nous faut que nous commencer assister. Et le m'a parlé de assister m'a voyer nous assister juge d'instruction parce que instruction secrète n'a pas jamais connait travail juge a fait d'autant que invitation au pas public m'a parlé nous assister opinion publique là de manière à ce que l'un nous tande nexa on va prendre micro la presse on va plaindre pour dire persécution politique l'un nexa on va commencer plaindre pour dire c'est vrai ou pas vrai ouais c'est monde qui fait politique avec dossier Jovenel Moïse pour nous dire ouais fort tout l'un t'a commencé prendre pour la presse pour yo t'ap dénoncer pour yo t'ap ba ensemble d'informations erronées ensemble d'informations qui pas vérifié et par les sources nationales qui pas vérifié par la DCPJ qui pas vérifié par le commissaire du gouvernement yo même yo te gen information ça donc li nécessaire pour al bay juge d'instruction côté yo te joini et comment yo te fait joini donc n'attend et m'pral inviter nous ensemble pour nous garder avec vidéo ça à côté que doyen tribunal première instance Bernard Saint-Ville li a ba ensemble d'informations sous juge d'instruction parce que là différemment de traitement yo te bay Mathieu Chalat qui c'est premier juge d'instruction qui a été désigné sous dossier assassinat président Jovenel Moïse et bien Gary Aurélien lui-même yo commencé mettre des moyens à la disposition ça c'est bien et c'est très bien même on nous garder ensemble Bernard Saint-Ville qui a expliqué qui ça le connaît de dossier ça de juge d'instruction de traitement yo commencé bas juge d'instruction m'a retourner après pour commenter yo qui était 23 août 2021 par ordonnance doyen te désigné juge Gary Aurélien pour instruire dossier assassinat qui était fait sur personne président de la République là Jovenel Moïse dans date dans nuit 6 pour ouvrir 7 juillet. Donc on est ça c'est prérogative doyen c'est article 97 décret 22/1995 relatif à l'organisation judiciaire qui balèle article ça le fait de doyen administrateur tribunal de première instance que la dirigeait. Partant de principe ça, c'est doyen qui distribue dossier by tout juge d'instruction yo et c'est lui même tout qui distribue affaire by toute chambre yo côté par gain audience. Bon qu'on est immédiatement juge la nommé faut ça veut dire le désigner sur dossier faut qu'il prenne connaissance de dossier. C'est ça juge là, dans premier jour yo, nous juge là était plus concentré là sur question moyen avec sécurité qui a mettre à disposition. Bon, nous, pour le moment, ça n'a pas dit qu'on résout à 100%, mais on commence à résoudre le problème et les moyens de locomotion pour le juge-là. Et les agents qui affectent la sécurité personnelle juge-là. Mais le juge-là, hier, il était venu, il était chita avec moi. Officiellement, il était pris connaissance de dossier pour le voir qui s'agit la donne pour être capable de préparer les actes d'instruction que là est nécessaire pour lui poser. Comme hier, nous avons gagné un problème. Clé nous pas de joindre par greffier qui était avec juge que nous obligé désaffecter cabinet là c'est ça fois aujourd'hui à nous reler un juge de paix et puis nous reler des techniciens pour nous ouvrir bureau que nous bas juge là nous profiter faire constat nous constater toute procédure là toute démarche là et puis nous faisons inventaire de qui ça tout nous joindre dans bureau là avait dit juge là officiellement nous bas le bureau nous bas clé bureau avait dit le bureau pour le travail. Il te avait là, il te dit, mais à partir de semaine prochaine, il va commencer tant de monde dans le dossier. Ça veut dire, officiellement, juge là, il y a un bureau, ça veut dire qu'il a commencé à travailler. Est-ce que mon est obligé qu'on ait un juge là, il a désigné un juge son dossier? Moi-même, j'ai, moi, tu n'as pas qu'à pas au prince, en 2001, il a désigné, moi, comme il y a un même juge d'instruction. Mais immédiatement, il a commencé, il a un gros dossier, non, mais moi, ça veut dire,
Son café, vous commandez conseil avec Eneo. Pas de monde qui fait tout connaît. Mais le monde n'a nommé, va nommer comme stagiaire, nommé comme juge. Ça veut dire des villes juges et prennent décision. Moi-même, pas parler de qui dossier, mais l'heure de nommer en 2001, son dossier qui a défrayé la connue. Comme baptême de feu, mieux de bon. Moi, mais tout le monde dit que je suis bien traité. Les gens ont arrêté pour détention illégale d'avoir fait. On va qu'il a défrayé la connue, même des séjours correctionnels. Dans des liens, puis il a fini de rendre décision. Mais là, ça m'a la presse plusieurs jours de parler de lui. On dit, Jules a fait le travail. Jules n'a pas obligé de 20 années d'expérience pour traiter un dossier. Bagaille, toute connaissance est dans les vieux. Depuis Jules a mis le travail, il suit conseiller Néo. L'elle n'a pas compris. Moi-même, je suis un monde qui a plus de 20 ans là, dans la chaîne pénale. Mais moi-même, tout des fois, je suis un cas d'espèce. Je suis un long ami là, je suis comment le voit-elle bagaille. Pas droit. C'est chaque jour après un bagaille là-dedans. Moi-même, j'ai pile expérience dans la pénale. Mais ça, quand on veut me relancer, on prend point de droit, on me dit là, on fait un petit bras, c'est l'idée sur lui. Juge là, lui-même, tant qu'on te dit, tout juge va remettre au travail, c'est pas juge Aurélien pour moi qui a traité le dossier. C'est payer avant tout. Parce que l'homme, on va attaquer le président de la République dans la résidence officielle ou tuelle, son bagage qui est grave. Elle dit, en principe, on tue un monde au télévision, son bagage qui est grave, voir ses premiers citoyens nations. Le plus grave encore, lors de ces étrangers qui quittent le pays, qui transitent par l'autre pays, viennent tuer le président. Nous connaissons la guerre qui fait déjà à travers le monde parce que l'autre monde entre vient tuer le président. Ça veut dire que c'est image justice nous à travers le dossier. Il faut que nous montrions justice nous en café. Gros procès. Ça veut dire que chaque fois qu'on a parlé de gros procès, on va ou bien aller dans le passé, ou bien aller dans ce qui a passé à l'étranger. Il faut au moins nous montrer nous une justice qui est forte, qui est capable de traiter n'importe quel dossier. Pas de tout chapeau pour la justice, nous avons une justice institutionnelle. Quel que soit mon lié, depuis qu'il fait des choses qui ne sont pas cadrées avec la loi, il faut que la justice arrive sur lui. C'est, comme dit Jujo, il y a un intérêt pour tout le monde encadré. Jujo Aurélien, c'est comme si ce n'était pas Jujo Aurélien. Non, 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 le tribunal de première instance de Port-au-Prince, à travers le Jujo Aurélien. Échec, c'est échec tout juge. Succès, c'est succès tout juge. Tout. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour nous encadrer. Moi-même, comme doyen, comme aîné, moi-même à disposition, chaque fois que je conseille, je ne vais pas dire qui ça veut faire dans le dossier. Le juge d'instruction constitue à lui-même une juridiction. Ça veut dire qu'il rend une ordonnance qui est susceptible de recours. L'homme dit recours, appel, nous connaissons. Le juge d'instruction rend une ordonnance. Et parquet, il y a un délai de un jour franc à partir de la communication pour l'attaquer. Ni inculpé, ni parti civil, il y a un délai de 10 jours. Ça veut dire que le juge d'instruction, pour compter son juridiction, il rend une ordonnance capable de faire recours contre décision. Donc, comme nous, c'est. Tribunal de première instance avant tout, ce n'est pas juge Gary Aurélien, non, ouais, c'est tribunal. Quand tu as souhaité tout salement de vous venir, bon, on ne peut pas étaler là dans la poste pour me dire mais salement de, premier bagage, elle a besoin. C'est moyen pour le déplacer. Un dossier comme ça, c'est un dossier sensible, nous comprenons que là, il faut que les gens un véhicule, une ou deux véhicules blindés. Nous comprenons qu'il faut que là, il y ait des agents de sécurité qui à disposition. Mais l'autre disposition, le parle pour un personnel qui a un rapport à la famille, on ne peut pas arrêter là dans la presse. On m'a dit, je lui ai demandé tel bagage pour sécuriser la famille, il m'a demandé tel moyen, ça m'a pas dit, c'est je lui ai couché avec l'autorité qui l'a pour le moyen. Pour faire les mêmes, je m'a dit, je pas arrêté pour me dire, c'est exposé, je lui ai fragilisé davantage, je m'a arrêté dans la presse pour m'a dit ça. Même qu'on ait une disposition qu'on prend pour satisfaire les revendications, pour mettre les moyens à disposition de lui. Bon, pas c'est pas du jour au lendemain, tout le moyen va venir, mais après, c'est ça quand même, pour nous voir comment c'est les moyens. Il y a l'autre réquisition qui était faite, dans le cadre de dossier, mais il faut que vous exécutez. Pour que vous sentiez confortable. L'autre dit qu'il faut que vous soyez en sécurité. Sécurité est liée avant tout d'autres psychologiques. Sécurité, ce n'est pas que vous avez un amour et vous avez avec gilet pas balle. Il faut que vous soyez senti en sécurité. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une menace qui plane sur vous pour qu'on ait n'importe quel qui a tenté à vous. Ce n'est pas que vous avez un amour et vous n'avez pas de sécurité. Mais tout faut que les gens soient agressés qui pour repousser l'attaque là. Eh bien là, Jean nous saute gardé là, c'était doyen tribunal première instance, maître Bernard Saint-Ville, qui lui-même lui t'a répondu à un ensemble de questions. Li profite répondre des tracteurs ça yo qui a fait circuler ensemble d'informations erronées comme quoi Gary Aurélien li pa gen compétence, il pa ka instruire dossier assassinat président Jovenel Moïse. Des tracteurs yo là yo là pour diviser l'opinion publique là pour rabaisser pouvoir judiciaire en pire pour montrer que la justice pas travail la justice
police pas qu'à travailler et yo même tout yo barré pouvoir judiciaire là pour pas faire travail. Donc là, il est clair, il est évident que compétence on juge il pas dépend de quantité année li gagne dans appareil judiciaire là. Parce que tout bagaille c'est respecter procédure là, tout bagaille c'est en question intime conviction juge, tout bagaille sont en question moi-même son juge loyal, honnête, gain la loi comme boussole, me fait exactement ça la loi dit là. Et puis me trancher selon tout à mes conscience, me pas besoin gain 5 ans, pas besoin gain 50 ans dans appareil judiciaire là pour me connaître qui ça la loi dit, pour me connaître droit, pour me connaître devoir, pour me connaître obligation moi. Donc c'est ça détracteur ou pas comprendre, c'est ça nèg ça monsieur dame ça qui empêcher pouvoir judiciaire en travail, même gens ont barré et dossier, yo barré enquête sur assassinat maintenant Ferrier d'Orval là, yo voulait me faire de même pour assassinat président Jovenel Moïse et y a continuer parce que d'autant gain doit tout tremper dans ça qui gen pour avec criminalité organisée en dedans pays hein, on toujours envie pour payer, on toujours nécessité pour payer un groupe nèg qui gen micro nan men yo, un groupe nèg qui influent dans politique là pour défendre nous, pour marcher faire pèlerinage pour marcher clamer innocence ou force, même que yo poko tando sans même que yo poko même indexo dans ça qui gen pour avec enquête. Eh bien là nous gen résultat devant nous. Nous gagnons résultat au devant nous. Nous gagnons paquet nèg jodi an ki dou y ap défend droit moun, on paquet nèg ki dou yo se défenseur nan société civile là, yo se défenseur politique, yo se opposant politique etc. Et puis ce travail ça y a fait jodi an, diviser opinion publique là. Yo continue à faire pression psychologique sur un juge d'instruction qui sur un dossier. Yo continue tout à mettre bâton nan ou et mini justice. Yo continue. C'est job yo ça, c'est mission yo ça. Nous même nous là pour nous bon information, nous là pour aider comprendre information yo. De manière à ce que vous pas tomber dans piège monsieur Damzayo. Monsieur Damzayo yo paye pour yo mettre instabilité en dedans pays hein. Yo paye pour yo diviser opinion publique là et si yo pas konn koto kan yo va tomber dans tout avec yo. Donc il est évident que je dis hein, bon nécessité pour comprendre ça qui passe en dedans pays hein, pour comprendre politique là et pour nous avancer ensemble. Donc moi même pas ka quitter nous tomber dans trou, pas ka quitter nous et a dit n'importe bagarre n'importe qui genre parce que l'organ ensemble de données dans mon l'organ ensemble de faits dans mon qui très concluant ou pas ka un chien devant pour dire son chat un chien son chien un chat son chat jodi à la le nèg là où elle camper pour diviser son gain comme perception pour diviser son gain comme vision pour diviser son gain comme opinion faut qu'on ait un exemple son nèg cap travail pour un groupe monde et jodi à la l'oligarchie si libanaise dans pays hein yo influent il y a la bourgeoisie mulatte dedans pays yo influent et yo tout jodi qui est-ce qui gagne pour perdu yo gagne plus pour perdu que peuple haïtien parce que tout ça peuple haïtien gagne comme intérêt gagne comme avantage c'est dans main au lié donc yo gagne pour yo perdu beaucoup plus que 11 millions que 12 millions habitants 5% moun, 10% moun, yo kembe tout ensemble population nan goj, y a prije nou, y a totot nou, pendant que yo même encore y a bataille, yo a fait tout ça yo konnen pour empêcher nous sorti, pour empêcher tête nous sorti en bas de loi. Donc dis-moi bien, est-ce que pas gen nécessité jodi a la pour même comme haïtien pour bataille, pour ouvrir yo, pour appliquer nan sa ki gen pouwe avec changement pays? C'est devoir comme citoyen haïtien impliqué ou bataille pour changement pays ou bataille pour sauver parce que nèg sa yo qui doit défendre terre là nèg sa yo qui doit bataille pour y défendre droit là yo pas même konn kote droit pa yo commencer aller voir pour ta konn kote le fini pour yo ta envisager pour yo bataille pour non pour bataille pour un monde faut konn sa moun nan le faut konn besoin moun nan je dis qui besoin peuple haïtien qui besoin peuple haïtien. N'a pas gardé ça qu'a passé et sous scène politique là la division politique qui gagne même moun qui était soi-disant allié qui était regroupé et sous le label de l'opposition politique opposant politique journaliste opposant politique jodi à la ouais divisé politique là divisé yo avantage ti intérêt personnel chaque petit groupe a besoin divisé yo. Est-ce que Ariel Henry tout le monde t'a décrié dès le début, dès le départ? Est-ce que Ariel Henry pas montré le son stratège en matière de politique maintenant ou bien en matière de division politique pour monsieur Damzayo? Ah oui, l'on prend le cas par exemple de Marjorie Michel.
Marjorie Michel, une figure politique dans l'opposition, hein? Gen journaliste qui te kon a bataille matin midi soir a voyé mon al faire violence a prêcher violence a mettre instabilité en dedans pays a diviser opinion publique là parce que yo te franc serviteur de l'opposition politique du secteur démocratique populaire et bien je dis à là qui ça nous est moun sa yo c'est moron flan moun sa yo c'est jouer matin midi soir moun sa yo c'est division matin midi soir quelque part papa ici hein comment ça jeune justice avec monsieur Damzayo. Côté honte là est là, côté honte là est. Et m'pral faire nous garder tout, m'pral faire nous garder en vidéo. Côté division tellement aller loin dans secteur démocratique populaire là que gon ensemble de militants politiques, c'est ça que fait moi même toujours dit loué fort. Lorsque ces jeunes ou dit ou bataille pour pays, ou dit ou goumé pour changement dans pays ou pas ka allio avec un groupe moun, dit de série de moun qui a fait politique en dedans pays, ou pas ka regroupe avec eux, ou pas ka nan bataille avec eux, ou pas ka nan combat avec eux. Parce que yon pas bataille pour vrai. Y'a pu utilisé comme militant politique, organiser manifestation, bloquer champ de masse, mettre caoutchouc, mettre du feu, tirer roche, faire résistance. Ben oui. Et puis, pis devant, les réunions pral fait, les accords pral si yon pas même là-dedans. Parce que c'est bourrique, yon considéré nous comme bourrique, comme moun kap bourrique pour yon nan intérêt yon. Je dis, ça t'a dit que militant champ de masse yon, t'a gen gros division avec secteur démocratique populaire. Ça t'a dou aujourd'hui là militant chan mosyo t'a meté secteur démocratique populaire comme moun qui responsable dans touye militant dans bay militant bal. On nous garder ensemble vidéo ça m'a retourner après pour plus de détails. Nous même militants cap militer sous place chan masla moi nous armé confiel avec opposition ça passé avec nek secteur démocratique et spécial Daril Baltazar ti paskout comme gang Daril Baltazar dans dans secteur démocratique li di l'a tiré nek chan mas même gens ont tiré ti blanc tatou ben jodi a nous même en force militant radical chan mas nous redi encore nous pas reconnaître secteur à travers accord que côté l'allemandé Ariel Henry Job il a demandé Ariel Henry BM pas de finance direction générale ben jodi a nous même les militants chan mas c'est nous qui fait bataille là c'est nous qui souffri c'est nous qui arrêté c'est nous qui dans marron jodi a comme secteur a dit comme ça la ba nous bal. Ah ben je dis à nous-mêmes nous dit n'a tant opération crase conférence crase caillou parce que nèg ça ou pas respecter moun comment t'a voulu comprendre nos pays nèg ou fait tout temps ça n'a manifester n'a fait tout ça que nos pays je dis à nèg ou pral négocier yo pral négocier ou quitter militant dans l'aria pas oublier gon 100 militants qui mourent dans dans pays a pas oublier gon paquet militants y a mettre dehors dans caille pas oublier gon paquet militants l'école pral ouvrir là yo pas quand même gen cop pour payer l'école pour petit yo pendant nèg ça yo c'est millions y a pour ba yo ah ben je dis à nous dit secteur démocratique là nous même militants chan mas nous dit attention arrangez yo parce que nous même dans l'attaque kounya parce que nèg ça zamim nèg ça au plus mal que jovenel et que jovenel nous zamim nèg ça au plus mal que régime PHTK les secteurs démocratiques nèg ça au plus mal yo gonda Daril Baltazar on sensi yon vagabond kap fè kòb on nèg yo t'arrêté monsieur sans ambassadeur ambassadeur monsieur yo t'arrêté monsieur nan vann visa nan volé nan kidnapper moun jodi a c'est li kante nan opposition c'est li comprendre ka fè menace pour le bal nous bal. En ben jodia, comme nek secteur odia tue nous même militants à terre, en ben jodia, n'attend yo, et nous allons porter plainte pour yo, pour nous connaître, est-ce que c'est eux même qui mettent la vie, après leur fin tout et nous, est-ce que pape gen la mort encore? Si blanc tatou, c'est nek sa ou tue, si blanc tatou, en ben jodia, nous dit, pape go deuxième si blanc tatou encore, et jodia, nous dit, vous voulez parler, nous même chan mas, nous décidons de chita, c'est pour être soit un fait. Sacré force militant radical chan mas pour nous capable di jodia nous même militants nous à l'école nous dans maîtrise nous dans doctorat et dans dans université à tout ah ben jodia nous dit faut nous ka dans négociation tout secteur démocratique pas ka camper comme baron pour le bloc au pays jodia nous dit non ça va pas dans le pays et nous dit non parce que nèg yo prend nous comme capote et ben nous même nous pral montrer yo c'est nous qui fait bataille l'aria nous pral attaquer dans 20 ou dit comme ça que à négocier mais m'pense leader yo a négocier pour nous même qui militants. Pas gen bagay kon sa zanmim. Tout li dek ta djou la negosye pou militant dil menti. Et s'il dil negosye pou nou, dil vin chan mas. Vin bra ave nou. Depi si depi nèg a di li negosye pou nou, m pral met pi la tèt la. Depi li dil negosye pou nou, m pral met pi la tèt la. Et puis montre ki sa nou menm. Ki principal problèm nou gen avèk opposition. Principal problème non, c'est parce que c'est nous qui fait bataille. Pays arrive nos moments, côté pour ça gagner, yon geste pour humilier ou. Lèm di pour humilier là, parce que gon tremblement de terre passé, gagne un cyclone qui passé, je dis à nous fin faire toute bataille. C'est pas bataille, nous ta bataille contre Jovenel. Nous fin bataille contre Jovenel kounya nous-mêmes.
Je dis à notre pays qu'il y a une stabilité politique et économique. L'aime stabilité économique et politique, je dis à faut qu'il y ait une coopération, un consensus pour capable bailler un président, un premier ministre, pour tout le monde qui participe pour le pays capable bon souffle. Vous dites secteur a des jobs, mais comment ouais, comment découvrir négociation yo? Yo te dit non pas chita avec Ariel Henry. Jou m'a dit ça, il était 11h, secteur démocratique avec un paquet de jeunes garçons al chita avec Ariel Henry. Yo fin parler fort. Négocier Ariel et puis dans des matins yo vinn nan micro yo vinn parler en pile nan micro et ben nous même n'a pas dit encore nous même secteur nous même jeunes chanmas cap bataille nous même force radicale militant chanmas nous dit ça pas passer secteur pas ka tourner obstacle pour le pays et nous dit non pays a li supposé gen sacré un accord politique pour nous capable étirer pays nan maras zanmim nèg dit comme ça yo kembe 6 septembre pour l'école ouverte. Même ou même qui journaliste, moi comme militant, je dis à pas que personne ne compte qui j'en parle de petit l'école. Et pas oublier que 100 militants qui sont là, l'autre prend Gauchay, ou prend Ronald, ou prend Tiblan Tatou, ou prend Fredo, pas 4 nègres qui sont morts. Je dis à côté, Vladimir Fede, ou pas 4 nègres, ils sont tombés. Anel Belize en prison là, je dis à. C'est pour bataille là, ils sont tombés. Mais c'est une bataille là, ils sont tombés, oui. Tout nègre m'a dit, Tiblan Tatou, c'est secteur démocratique là qui mange lui. Qui voulait balle lui? Non, mais oh, Steve mais non, attention, attention. L'étape bataille dans le secteur démocratique, là, où il veut manger, il ne va pas comprendre. Parce que depuis Géo Calais, c'est peut-être samedi, moi, je n'ai pas de problème pour mourir. Parce que je connais le secteur démocratique, ça qui est souillé. C'est nek qui mange Tiblan Tatou, ça même. Samedi, on fini. C'est nek qui mange Tiblan Tatou. Ni Badou. Ni Badou. C'est qui mange Badou. Pas quatre, c'est un nek qui mange Badou. Puis qu'on fait capital politique. Et vous-même, vous n'avez pas peur? Non, je pas parce que pour ça, je m'offre la vie, je cause déjà. Parce que nous, nos batailles, nous avons bataille politique. Je dis, ah, n'est pas qu'à comprendre pour prendre militant, pour vous recharger. Vous prenez militant pour imbécile. Ah, ben, je dis, ah, non, ça ne va pas passer. Elle ne dit pas passer, elle a tout sens. N'est secteur de mon conseil, pas à mourir. Mais là, on mange mes propres militants comme ça. Qui sont pensés? Puis, on la gueule sous l'autre monde qui fait politique. Les besoins faire capital politique pour la gueule sous le régime PHTK. C'est PHTK actuel. Menti. Nèg secteur démocratique manger Tiblan Tatou, yo manger Badou, c'est pour yo ka faire capital politique yo. Ah ben je dis à nous dit non nous même militants Chanmas. Nous même force radicale militant Chanmas, nous dit OK, ça va passer et pas bon troisième militant qui dans même circonstance. Déclaration sont campé d'elle. On campé d'elle. Comme Daryl Baltaza avec Reginald. Ti Pascout, dit on pral vinn ba nous bal Chanmas. N'a pas ces balles là et nous dit n'a pas ces balles là et attention, l'aime dit n'a pas dans ces balles là. Chou le dans l'anap dans celle. Mais ça qui est sur le secteur là. Régional c'est un choule secteur là. Et Daryl c'est un nèg responsable finance pour secteur là. Ti Pascout là c'est un mercenaire pour secteur là. L'aime dit mercenaire, son nèg cap bay nèg balle dans tête, cap tuer moun. Nèg ça c'est un octobre de nuit. C'est octobre de nuit. N'est pas 100 moun dans sacré aucun passe. Chaque vendredi, moun ça gagne pas 20 moun, 20 000 gouttes, 25 30 000 gouttes, 50 000 gouttes dans chaque vendredi. Jodian, nous même militants, nous disons ça va passer encore. Faut le pays bleu, faut pays à débloquer. Secteur pas qu'à tout nous sacrer, y a obstacle pour le pays. Mais est-ce que vous pensez les grands leaders qui dans le secteur démocratique là, d'accord avec ça qui a passé là? Si vous pas d'accord, vous êtes d'accord dans le consensus là, dans le consensus là, vous êtes d'accord signé pour étirer le pays dans la crise là. Vous pas d'accord, vous pas signé. Ah ben Jodian dit non, nous même nous pas prendre la main de Dieu et nous dit pas prendre dans tout sens. Comme tu passes coup. Mercenaire Daryl dit que j'ai bien ba nous même militants chaîne masse. Bal n'a pas arrangé nous, n'a dans ces balles là, chaque ouvrier. Moi focus sur Ti Pascout qui est lié. Parce que c'est un honnête qui vient qu'on habitue tuer militant pour Daryl Baltaza. Et nous dit ça pas passe encore. Qu'est-ce que Daryl Baltaza? Daryl Baltaza c'est responsable finance en dans secteur démocratique. Et nous dit je dis en consul, monsieur, il t'a arrêté monsieur. Monsieur, t'as bonne visa, t'as arrêté, monsieur. Almen information. Et je dis à Ndine, il n'y a pas de faire ça, il n'y a pas. Et je dis à Opel de ma vie, nous. Et le campé d'elle. Et Ndine, pas appel à moi. Mackinson est primé. Il y a un dirigeant de Challenger populaire. Il y a un dirigeant de sacré force militaire radicale en masse. Vous voulez dire, où est bataille, où est passé en fin? Il n'y a pas passé en fin parce que n'est pas négocié ce statement encore. Et Ndine, nous dit à rien, oui. Responsabilité parce que même si nous ne nous pas reconnaître, nous ne pouvons pas reconnaître, nous ne pouvons pas respecter quoi. Nous ne pouvons pas prendre un poste dans Ariel là. Et nous, même tout en bachita. Par contre, c'est pas gêné en prendre. Bon, nous prenons le marché pour vous. Et bien, nous voulons faire confiance des princes pour nous monter de pièces tout même qui militant. Merci. Vérité ou mensonge?
Moi même tout ça me connaît dans ça qui gagne pour avec cause politique en dedans pays. Il y en a ça qui gagne pour avec secteur opposition politique en dedans pays. C'est pas première fois m'bra l'tendé que monsieur dame ça yo connaît story climat d'instabilité dans propre camp yo pour yo chercher un responsable, pour yo chercher diviser opinion publique là, pour yo chercher indexer le parti. Ça pas nouveau pour moi. Oh non, le pas nouveau. Et tout pral comprendre que jouette politique dans paysan c'est tout civis li fait. Même nèg gab bataille avoir dans même camp, li possible boule tout yo, li possible boule attaque pour le faire mettre chalan sous dos pour voir en place ça. Ah oui. Combien fois gen violence en dedans pays? Combien fois gen des choukay k'ap fait dans manifestation yo et pourtant des même nèg za qui fin dou kon ça, peuple met sorti prend la rue al craser briser al bouler, yo dou kon ça encore, c'est infiltré yo voyer infiltré manifestation pour al faire violence pour yo ka di c'est yo même. Alors que oui, c'est en bouche, c'est eux même qui t'ont invité population à la crasse, à faire shopping, et puis ils prennent le dopi devant. Non, c'est infiltration, c'est plus qu'à mettre chaise sous l'opposition, c'est plus qu'à faire ceci, c'est plus qu'à faire cela. Et voilà, maintenant, y a dénoncé une autre, y a bataille contre une autre, c'est leur division pour qu'on quantité écrasée. Et là, tout pour le comprendre. Dans un ensemble de faits, un ensemble de violences qu'a perpétré en dedans pays, c'est pas seulement responsabilité un petit groupe, c'est responsabilité toute structure politique en dedans pays. Parce que à entreprise même qu'on entend des figures de l'opposition politique, leur propre exemple Steven Benoît Tabdou, depuis président Jovenel Moïse allé kidnapping a fini. Qui sort qu'on de dossier kidnapping qui faut dire depuis président Jovenel Moïse allé kidnapping a fini. Donc, est-ce que c'est le président Jovenel Moïse qui a instauré le kidnapping dans le pays? Hein? Ou bien, est-ce que c'est parce que le président Jovenel Moïse là toujours qui fait kidnapping dans la valide? Donc, c'est une question à deux volets. Donc, répondre les gens capables. Mais c'est vrai, c'est l'évidence même. On regarde, presque deux mois depuis assassiner le président Jovenel Moïse. Est-ce que le kidnapping n'a pas recommencé? Est-ce que le kidnapping n'a pas continué à faire autre? Donc là, est-ce que le président Jovenel Moïse qui était instigateur kidnapping? Bon, président Jovenel Moïse pas là. Kidnapping, t'as doué tout case close dans le pays. Pas la jambe doué des questions kidnapping, kidnapping, etc. Ça vient prouver nous quelque part, niveau méchanceté négio, niveau malhonnêteté négio, négio prêt pour yo dire toute bagaille, yo prêt pour yo faire toute bagaille, en façon pour mettre instabilité en dedans pays. Si yon pa ka jwenn yon entente avan, si yon pa ka retire, ben yon fait tout ça yon konnen pour yon fè communauté internationale la gon mauvaise vision, mauvaise perception de yon. Même peut-être yon même yon retire. Donc c'est ça, oui. Gon paquet bagay nou ka passe en dedans pays, c'est stratégie politique. C'est stratégie politique. Est-ce que stratégie ça, qui est-ce qui gagne avantage à donner? Est-ce que c'est pouvoir ou bien est-ce que c'est opposition? Mais gros ensemble de faits, gros ensemble de massacres qui passent en dedans pays là. Gros ensemble de tactiques, que le groupe Fantôme 609 qui t'a pas attaqué, que le kidnapping n'a pas utilisé, que le violence, que le prolifération gang armé en dedans pays, c'est un ensemble de stratégies politiques. Utiliser le nom camp ou bien utiliser le nom l'autre camp li là pour le dissuader l'autre de gen gang tel côté ou a dissuader ou a dit tête on pas prendre la rue on pas faire 10 on pas faire date yo dissuader ou mais quelque part tout yo faire tout yo faire pour yo changer opinion publique tout dépend de qui camp cap travail tout dépend de qui camp cap agir. Donc on va comprendre que paysan et tout ça qui gagne pour avec violence, tout ça qui gagne pour avec et question rapport de force, tout est politique. Jodi an la, sou pa gon moyen de dissuasion, sou pa gon moyen de persuasion, ou pa ka rentrer dans fait politique en Haïti. Indépendamment de qui connait, on gagne pour utiliser des stratégies politiques quand même. Et jodi an la, le n'ap gande opposition politique là, toute stratégie ou t'a utilisé, c'est des moyens de persuasion, oui. Et ces deux groupes moun yo t'ap cherché persuader que le à travers violence yo t'ap prêché que le à travers différents manifestations politiques populaires yo t'ap organisé yo t'ai gen deux groupes moun il y a la majorité silencieuse que yo t'ap essayé persuader que président Jovenel Moïse avec gouvernement là yo pas ka régler rien yo pas ka utile pays rien que le communauté internationale là yo t'ai voulu prouver à chaque manifestation populaire yo organisé que chaque jour yo amplifié que chaque jour gen plus moun qui dit non à Jovenel
Jovenel Moïse, que chaque jour il y a plus monde qui parle les pouvoirs régime BHTK, c'est ça yo t'a fait. Mais indépendamment de ça yo t'a utilisé comme voie publique, comme manifestation, comme regroupement, comme dénonciation, etc. Mais il y a l'autre bagaille, il y a l'autre stratégie que yo t'a utilisé en bas table là. Ah oui, qui est-ce qui pas une stratégie? Qui est-ce qui pas une stratégie yo? Donc je dis à la li évident li clair que nous-mêmes qui voulons faire politique, faut nous faire politique là, réfléchis. Son politique réfléchis, nous pas quand on dit n'a pas rentrer dans politique en Haïti n'importe qui genre non. Pour rentrer dans politique en Haïti, si c'est pas structure pour mettre camper avec moun ou konnen, moun qui pas aussi facile pour influencer, qui pas aussi facile pour corrompre, pour changer camp, OK. Mais si vous prenez du pral allié, vous prenez le rallye avec des structures qui étaient là déjà, des organisations, des groupements politiques qui étaient là déjà, vous prenez le garantie un seul bagaille. Vous prenez échec. Et vous prenez un gros échec avec M. Damzayo, qui a plus passé 30 ans à faire politique en deux dans le pays. Qui a plus passé 30 ans à mettre campé opposition politique en deux dans le pays. Qui a plus passé 30 ans à mettre campé instabilité politique en deux dans le pays. Qui s'est changé pour Haïti? Qui s'a changé dans la question politique de dans pays? Qui s'a changé dans la question développement de dans pays? Au lieu de nous faire avancer, bac nous fait. Et à tous les domaines. Au lieu de nous faire avancer, bac nous fait. Et chaque situation de catastrophe qui frappe les pays, qui touche Haïti, sont preuves liées. Sont preuves liées. 2010, tremblement de terre dévastateur fait. OK, Haïti a été plate. Plusieurs pays, communauté internationale, tout le monde mobilisé pour aider les pays à camper. Yo même encore yo détourné aide, yo détourné l'argent contribution etc. 11 ans après là, tremblement de terre 14 août là, c'est même bagaille, yo gros ensemble de pays là qui gèt vini de Haïti, en pile l'argent mobilisé, mais pendant gon paquet don qu'a fait pour Haïti, des millions de dollars don. D'aide pour reconstruire Grand Sud, là, pour reconstruire Sud, pour reconstruire Grandance, pour reconstruire Nip. Mais faut que nous soulignions pour nous. Bien prêt, tout qu'a fait. FMI consenti là pour prêter à Haïti 224 millions de dollars. Ça, son prêt concessionnel avec un taux 0,05%. Donc, c'est pas l'argent qu'on fait nos cadeaux. Donc, si autorité l'État, yo prétend que yon pral prend l'argent ça pour yon garoter, yon pral prend l'argent ça pour régler business pa yon, fourrel nan politique, payer opposant politique, payer monsieur dame ça acheter belle machine ba yon, dégager yon là, ba yon kop yon mette nan poche yon, pour yon voyager, pour yon baye madame yon petit, etc. C'est la vie, messia, c'est corvé qu'a fait. Parce que nous revenons au stade là, faut nous penser avec reconstruction. C'est pas seulement reconstruction, trois départements ça qui touchent, hein, mais reconstruire pays. Gon ensemble, gon quantité l'argent, gon volume l'argent qui rentre dans pays là pour tremblement de terre 14 août là. Son moyen lié, son voie nous ka utiliser pour nous garder dans qui domaine nous ka investir. Et c'est ça qui fait extrêmement important. L'homme dit, faut qu'autorité pays, l'État, autorité pays, yo pense avec yo politique. Yo pense avec yo politique de relance. Yo pense avec yo politique côté que nous sorti dans stade humanitaire pour nous passer à un stade d'autosuffisance. Et comment le bral arriver possible? Comment le bral arriver fait? Nous besoin stabilité politique. Nous besoin bonne volonté tout acteur, yo. Nous besoin développement économique. Nous besoin développement social. Parce que développement social, là, les priorités aujourd'hui, les priorités pour haïtiens qu'on est, sont citoyens haïtiens, les faire partie de une communauté, les pas qu'à agir n'importe qui, gens, les pas qu'à faire salver, les supposer respecter principes qui établis, les supposer respecter sa autorité, yo dit, et autorité, yo doit veiller à ce que principe qui l'a, yo respecter, chaque citoyen respecter principe établi, yo. Nous pas obligés tant de ces chaque coin catastrophe arrivée pour n'apprendre connaissance de faire. Faut que nous connaissions Haïti son pays à risque sismique. Faut que nous connaissions Haïti exposé et avec question catastrophe naturelle et question cyclonique. Saison cyclonique qui est toujours dévastateur pour pays, etc. Faut que nous toujours préparer. Nous avons office protection citoyen qui l'a à travers OPC. Faut qu'autorité l'État ait déployé toute assistance légale, toute assistance qui est importante pour accompagner la population. Nous pas toujours obligé à attendre même dans bagay basique que c'est moun qui pou vinn longer la main ba nou. Nous connaît virer tourner n'a prend inondation, n'a prend cyclone,
n'a pas délogé moun, n'a pas relocalisé moun. Donc, nous pas de jam stocké pour là, nous pas de jam stocké tente, nous pas de jam stocké des kits alimentaires, des kits hygiéniques, etc. Kits sanitaires, nous pas de caisse, nous pas de bagage, alors que nous n'avons période de coronavirus. Donc, là, nous comprenons finalement, nous n'avons pays, autorité, c'est des opportunistes. Yo ap tann situation yo rive pou yo kamande aide et puis l'agence sa yo pral gen contrôle li l'agence sa yo profite détourner le tout. C'est la pratique haïtienne, c'est la pratique courante de la corruption en Haïti. Donc kounya c'est ça nous gagnons comme pays, c'est ça nous gagnons comme modèle et d'autorité en dedans pays a. Alors que matin midi soir yo prend plaisir yo ap dou le grand sud frappé par tremblement de terre, il a fait tout ça qui nécessaire pour accompagner moun yo. Moi m'ap gade vidéo. Plus de 10 jours après tremblement de terre qui passait, qui touchait 3 départements, Sud, Grand dans Nip, jodi an gen moun nan Nip qui était victime, pied cassé, bras cassé, bébé qui victime d'où, moun sa yo côté yo kay médecin feuille kap soigné yo qui mette pied yo nan pou banane, ventre banane, mari, alors que autorité l'état yo là. Nous contenter nous n'a dit grand sud l'en toucher et puis nous pas chercher rive dans toute zone ça yo, nous pas chercher rive joindre toute communauté ça yo, toute victime ça yo pour nous accompagner yo. Et bien qui ça nous voulait effectivement. Alors que dans genre de situation ça yo, l'état doit déterminer priorité. Autorité l'état yo doit déterminer point stratégique pour agir, priorité yo comment yo pral agir, qui groupe moun yo a touché avant. Parce qu'on pas quand on y pote bourré, d'accord. Par rapport avec besoin population, par rapport avec victime, gon ensemble de priorités, gon ensemble de besoins supposés classés. Qui est-ce groupe moun ou pas accompagné avant? Pour qui ça c'est groupe moun sa yo? Qui besoin ou gagne? Comment on prend l'accompagner? Pour combien de temps, etc. Donc, jodi an la, gen nécessité pour autorité l'État ou pour dépêcher yo. Ou pas obligé à attendre, c'est chaque coin moun lancer un appel, lancer un alerte pour dire eh autorité l'état, premier ministre, m'pa joine rien, gen victime nan côté mien, gen victime nan zone moi m'a mouri, n'a kite mouri pour nous rive ouais yo, non. Suppose qu'on travail de terrain qu'a fait recenser victime yo, recenser zone qui touché yo, section communale yo, commune yo, faire pour accompagner victime yo. Parce que question aide k'ap bay akatimimi an zanmi tay, ça l'pa bon. C'est population grand sud langue victime, c'est eux même qui pour joindre aide, c'est eux même qui pour joindre cargaison vinn distribuer pour yo. Mais question zanmi tay, mon a prend bagage cachette à régler et causer personnel, les avait personnel, pas bon, pas fait sens. Et par rapport avec besoin population, par rapport avec nécessité pour nous remanier système politique nous gen là, pour nous remanier classe politique nous gen là, ou même qui dans diaspora, faut qu'on prenne responsabilité, faut qu'on garde comment on prend investir dans politique de dans pays, faut qu'on garde participation comment on prend porter dans changement pays, parce que jodi an là yo fin utiliser jeunesse là dans faire yo dans bayo attribut dans bayo qualificatif militant politique. Après ça, pour yon jeter, yo. Ou même qui est intelligent pour la plupart, ou même qui veut investir dans la politique, là, ou même qui veut venir changer donné, yo, non, mais monsieur, dame, ça, yo, qui passe plus que 30 ans à craser, à briser en dedans le pays, yo. Moment arrivé pour exiger à ce que gon nouvelle constitution qui implique qu'on a vie politique en dedans pays ou à 100%. Moment arrivé pour demander à ce que autorité l'État ça yo pour yo implique qu'on a vie politique en dedans pays. Moment arrivé pour nous faire pression sur acteur politique ça yo, décideur politique ça yo pour nous faire connaître nous gain place nous dans politique en dedans pays. Nous pas seulement en ressources économiques, mais nous gain place nous dans la politique, nous gain place nous dans le développement social pays. Donc, appliquez-nous, activez-nous. Activez-nous, faites le jour d'hier, pas quitter le jour barré nous. Activez-nous, chaque jour plus, en façon pour monsieur et dame Zayo qu'on ait au gain en face. Là, nous rete comme majorité silencieuse, nous rete bégué, nous pas dire, y a pris nous pour zombies et y a profité par tous les moyens possibles et imaginables pour yo barrer de la route. Y a profité. Donc, son ensemble d'opportunistes, son ensemble de nègres là, pour barrer mon route, pour barrer chimé moun qui ka utile pays, pour barrer chimé moun qui ka utile société. Donc, on n'a pas quitté yo barrer nous davantage. On nous mette tête nous dehors. Pour yon konen la, pour yon konen nou existe.
Moment arrivé pour mettre un bout dans l'émission Mon Éditorial pour jeudi. Principe là n'est pas changé, continuez à garder vidéo, à partager vidéo avec tout contact. Quittez un commentaire, quittez un like. Rendez-vous en l'icasse pour demain, sous même chaîne dans la même lieu. Dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick la même voix, rien n'est pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, Hélène nous dit mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon Éditorial, c'est l'espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.